Pour cette 12e édition des prix coup de cœur de Bordeaux Métropole, trois projets innovants économiquement et solidaires ont reçu une dotation de 5 000 euros. Les Coursiers Bordelais, c'est une entreprise coopérative de livraison à vélo. On s'occupe du transport du dernier kilomètre en ville. Donc c'est les marchandises qui arrivent d'un peu partout, jusqu'aux abords de la ville. Et comme les camions ne peuvent pas rentrer, nous on s'occupe après de dispatcher les marchandises en ville. Et on fait tout ça à vélo et à vélo cargo. Dans l'entreprise coopérative, l'entreprise appartient à tous les salariés. C'est central dans notre réflexion parce que tous les salariés participent à la construction de leurs conditions de travail. Le deuxième des prix coup de cœur est remis au projet BAM pour bicyclette et alternatives de mobilité. Un projet qui a pour but de fédérer ses acteurs dans un même lieu. Objectif, trouver des solutions innovantes pour se déplacer. Et après la mobilité, cap sur la cuisine. Le troisième prix est décerné à Marie Curie, les nouvelles cuisinières. C'est un projet qui vise à valoriser le patrimoine culinaire des femmes réfugiées issues de l'immigration. Elles ont des compétences assez techniques en cuisine finalement. Elles ont tout un savoir-faire qui est souvent transmis de génération en génération. Nous, l'idée, c'est de pouvoir les mettre un petit peu sur le devant de la scène. Pour ça, on organise des prestations culinaires, du traiteur, des ateliers cuisine, de la vente à emporter, des résidences en restaurant pour les particuliers. Et moi, ça me tient à cœur de pouvoir avoir un travail qui œuvre au quotidien pour l'humain. Le prix spécial du jury est attribué à l'association Art Déco qui a pour but d'accompagner les jeunes socialement éloignés de la culture. Quatre prix donc décernés par un jury de 17 partenaires dans ce secteur d'avenir qui pèse plus de 10% des emplois salariés dans la métropole.